I now give the floor to His Excellency Robert Doucet, Minister for Foreign Affairs, Regional Integration and Togolese Abroad of Togo. Monsieur le Président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs, après des formats inédits de notre Assemblée générale, suite aux contraintes liées à la pandémie au coronavirus, nous voici encore réunis sous le même toit pour débattre sereinement des problèmes qui bouleversent la vie de notre monde. L'objectif est de remettre en selle notre organisation commune sur ses valeurs et principes fondamentaux mis à rude épreuve par des rivalités géopolitiques, la tentation de la domination, des replis nationaux et des conflits. Je voudrais donc me féliciter du thème choisi pour orienter le débat général de cette session. Un moment décisif, des solutions transformatrices pour des défis imbriqués. Mais avant de poursuivre mes propos, permettez-moi de vous adresser, Monsieur le Président, mes chaleureuses félicitations pour votre élection à la présidence de notre 77e Assemblée générale, ainsi que nos voeux de succès. Je puis vous assurer du soutien de la délégation togolaise. Je veux également saluer l'action de votre prédécesseur pour le travail accompli dans un contexte assez difficile. Je tiens à rendre aussi, au nom du président de la République togolaise, le président Faure Sozim Nanya Singbe, un vibrant hommage au secrétaire général Antonio Guterres pour ses différentes initiatives pour rendre davantage efficiente notre organisation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans ces 77e année d'existence, l'ONU a œuvré sans relâche pour la prévention des conflits et le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Aujourd'hui, la menace qui pèse sur la paix s'est métamorphosée. Aux conflits interétatiques d'antan ont succédé des nouvelles formes de violence impliquant des acteurs difficilement saisissables. L'Afrique, entre-temps épargnée, est devenue le sanctuaire des groupes terroristes. La menace terroriste, longtemps confinée dans les pays du Sahel, s'étend vers les pays côtiers de l'Atlantique et de l'Ouest. C'est pourquoi le président de la République togolaise, Son Excellence le président Faure Sozim Nanya Singbe, ne cesse de s'investir personnellement pour la paix et la sécurité et la stabilité en Afrique de l'Ouest, en particulier dans la région du Sahel. Cette détermination a permis au président de la République, en tant que médiateur dans la crise entre les deux pays frères, la Côte d'Ivoire et le Mali, d'obtenir la libération de 3 soldats ivoiriens sur les 46 restants. Ici, je voudrais inviter toutes les parties à la retenue et à la patience pour laisser aboutir la médiation. Les récentes attaques terroristes ayant causé des victimes et occasionné des dégâts matériels importants dans le nord du Togo témoigne des moyens de plus en plus sophistiqués qu'utilisent les djihadistes. Cette situation inquiétante, au plus haut point, notre délégation, et c'est pourquoi elle se félicite d'ores et déjà de l'adoption consensuelle le 29 juillet 2022 du rapport d'étape annuel du groupe de travail sur l'utilisation numérique
dans le contexte de la sécurité internationale et nationale. Le Togo reste fermement déterminé à combattre et à booster hors de ses frontières ces criminels. Sur ce plan, nous ne fléchirons jamais. En vue d'apporter sa contribution à cet objectif impérieux, le Togo a abrité les 23 et 24 mars 2022 le premier sommet panafricain sur la cybersécurité tenu à Lomé, et la déclaration de Lomé issue de ce sommet est un engagement en faveur de la lutte contre les cybermenaces. À cet égard, le Togo se félicite des travaux en cours au comité spécial chargé d'élaborer une convention internationale générale sur la lutte contre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles et encourage toutes les parties prenantes à s'investir dans l'élaboration d'un tel instrument juridique. Au-delà de la riposte militaire, nous avons pleinement conscience que la lutte contre le terrorisme se joue également sur le degré de confiance entre l'armée et les populations, et également entre ces dernières et le gouvernement. C'est pourquoi nous veillons quotidiennement à combattre les causes de l'expansion de l'extrémisme violent qui nourrit le terrorisme. Aussi, le Togo a-t-il pris des mesures innovantes et multisectorielles contenues dans son document de stratégie de lutte contre l'extrémisme violent adopté le 1er juillet 2022. À cet effet, un programme d'urgence pour la région des savanes d'une enveloppe de 9 100 704 US dollars a été élaboré pour la réalisation de divers projets à l'horizon 2025 dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, de la santé, des infrastructures, de l'éducation et de l'agriculture. Nous sommes dans une nouvelle étape de cette guerre asymétrique contre cette nébuleuse terroriste. La détérioration de la situation sécuritaire doit nous préoccuper tous, au premier chef les Nations Unies. À cette fin, il importe de mener à bien la revitalisation de notre organisation et tout mettre en œuvre pour réformer son Conseil de sécurité. Je voudrais profiter de cette tribune pour saluer le programme de protection des cibles vulnérables au terrorisme dont bénéficie notre pays, le Togo, en tant que pays pilote. Ce programme des Nations Unies visant à renforcer les capacités des États membres et à leur fournir un appui logistique pour la protection des cibles vulnérables face aux attaques terroristes s'est révélé être une grande importance pour notre pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'autre défi majeur qui se présente à l'humanité est celui du changement climatique. Tous les rapports d'experts sur cette question sont inquiétants. Ce phénomène est d'autant plus préoccupant qu'il touche indistinctement tous les pays du monde et malheureusement les pays moins pollueurs que nous sommes. Le Togo a adopté une politique robuste pour la restauration du couvert végétal avec un ambitieux programme pour la transition verte. En effet, le gouvernement togolais s'est résolument engagé à assurer une gestion durable des ressources naturelles et une résilience face aux effets des changements climatiques. Ainsi, pour une gestion et une protection durable, le gouvernement togolais a axé ses priorités, entre autres, sur l'amélioration des écosystèmes marins et côtiers, la réglementation de la pêche et la promotion de l'économie bleue. Enfin, dans le cadre de la préservation et de la restauration des écosystèmes
et la lutte contre la désertification, le Togo a lancé un important programme national de reboisement d'un milliard d'arbres à l'horizon 2030, interdit l'importation, la commercialisation et l'utilisation du glyphosate et de tous les produits le contenant, ainsi que la promotion de l'utilisation des biopesticides et biofertilisants dans le pays. Nous espérons vivement que la prochaine COP27, qui se tiendra bien sûr du 7 au 18 novembre 2022 en Égypte, contribuera à remettre véritablement au centre des priorités internationales la préservation de l'environnement en incitant les parties prenantes à honorer les promesses de financement nécessaires pour faire face au réchauffement climatique. Dans le domaine des énergies renouvelables, le Togo a noué des partenariats stratégiques pour la fourniture de services fiables, modernes et à moindre coût en milieu rural. Aussi, le Fonds d'accès à l'électricité pour tous, dénommé Fonds Tinga, le projet CISO de fourniture des kits d'énergie solaire aux populations rurales et vulnérables, les centrales photovoltaïques, les mini-centrales solaires et les lampadaires solaires ont été installés sur l'ensemble du territoire national, contribuant à la vulgarisation de l'énergie renouvelable au Togo. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, sur le plan économique et social, le Togo a adopté une feuille de route gouvernementale à l'horizon 2025, dont la vision est de faire du Togo une nation moderne avec une croissance inclusive et durable. Cette feuille de route comporte trois principaux axes, à savoir renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et garantir la paix, dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie et moderniser le pays en renforçant ses structures. Les réformes du climat des affaires ont permis au Togo d'accroître de façon substantielle les investissements directs étrangers dans le pays. De même, le renforcement de la coopération au développement a contribué à la mobilisation accrue des ressources extérieures, compte tenu de la nouvelle dynamique insufflée par l'adoption de la feuille de route gouvernementale et son appropriation par les acteurs du développement, la création de nouveaux partenariats et la dynamisation des partenariats existants. Le grand défi pour le Togo est de mettre en place et de renforcer son socle national et sa protection sociale. L'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base et le renforcement des mécanismes d'inclusion restent également des fondamentaux pour la réduction de la pauvreté. Pour y parvenir, le gouvernement a intégré le principe de ne laisser personne de côté dans les politiques publiques. C'est ainsi que d'autres initiatives novatrices ont permis d'accélérer le processus d'inclusion de toutes les catégories sociales, à l'instar de l'adoption de la loi instituant l'assurance maladie universelle et la plateforme numérique que nous appelons WESU, mise en place depuis 2021 pour prendre en charge les femmes enceintes et les nouveaux-nés en vue de réduire la mortalité maternelle et néonatale. Le renforcement de la protection de la femme contre les discriminations et les violences basées sur le genre et l'atténuation de pesanteurs socioculturelles ont amélioré considérablement les capacités contributives de la population féminine au développement de notre pays. Le Togo s'est doté d'un mécanisme d'inclusion financière des couches les plus vulnérables de la population à travers les transferts monétaires.
il a été mis en place un projet de développement des filets sociaux et des services de base, ainsi que le projet d'appui aux populations vulnérables. En outre, un mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques est un projet de structuration, d'amélioration de la formation agricole rurale et insertion ont été mis sur pied. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, pour terminer mon propos, je voudrais inviter chacun à s'interroger sur les fondements du multilatéralisme et des finalités poursuivies par les pères fondateurs en imaginant ce système de gouvernance mondiale. À l'occasion de la 75e session de notre Assemblée générale, nous avons largement débattu ici, aux Nations unies, que nous voulons y réaffirmer notre attachement au multilatéralisme. L'importante déclaration adoptée lors de la commémoration du 75e anniversaire des Nations unies reflète à suffisance la nouvelle ambition multilatérale à laquelle nous avons souscrit et qui veut de plus être juste et équitable, et qui souhaite aussi nous montrer que nous sommes le moteur d'un développement et d'une croissance mondiale soutenue. Aujourd'hui, nous sommes invités à des actions concrètes pour répondre aux nombreux défis qui fragilisent notre monde, entre autres le terrorisme et les défis sécuritaires, et nous passons à côté la question de la COVID-19. Mais malheureusement, nous constatons que nous foulons bien trop au pied nos engagements multilatéraux. Nous avons parfois enlevé toute leur essence, leur force et leurs racines. Sinon, mesdames et messieurs, comment comprendre que le Conseil de sécurité des Nations unies demeure toujours aussi exclusif? Pourquoi ne pas travailler de bonne foi à la réforme de cet organe important du système sécuritaire international en le rendant plus représentatif des réalités actuelles du monde? Monsieur le Président, mesdames et messieurs, après cette analyse, nous venons à la conclusion suivante. Nous sommes convaincus aujourd'hui que les pays africains, ou l'Afrique en général, ne veut plus s'aligner sur les grandes puissances, quelles qu'elles soient, en raison de la défaillance du concept du multilatéralisme. Le rôle assigné à l'Afrique en ce 21e siècle est évocateur de l'image qu'ont encore certaines puissances de notre continent, uniquement leur zone d'influence. L'Afrique n'a pratiquement aucun impact sur l'ordre mondial actuel, alors qu'elle subit très drastiquement les conséquences des perturbations de la société internationale. Elle ne revêt d'intérêt aux yeux de certaines puissances que lorsqu'elle se trouve en difficulté. Il faut se préoccuper de la place que l'Afrique occupe sur la scène mondiale. À la vérité, aujourd'hui, l'Afrique n'occupe pas la place qu'elle devrait tenir sur la scène internationale. Pour de nombreuses puissances, le continent africain n'a pas de rôle à jouer en tant qu'acteur majeur, au sens kantien du terme, sur la scène internationale. Elle pense habiter le même monde alors que le monde a profondément changé. Quand les Nations unies ont été créées en 1945, hormis deux pays africains,
que nous connaissons tous, le Libéria et l'Éthiopie, les pays d'Afrique n'étaient pas encore indépendants. Après 77 ans, c'est le même système international, malheureusement, qui perdure du fait de la volonté des 5 membres permanents du Conseil de sécurité que nous connaissons tous. Bien que le projet d'intégration africaine soit toujours en chantier, un consensus s'était dégagé depuis entre les États africains au niveau de l'Union africaine, rappelé lors de cette session par le président sénégalais, président en exercice de l'Union africaine, sur la nécessité pour le continent d'obtenir 2 places de représentants permanents au sein du Conseil de sécurité, en plus des 2 places de non-permanents réservées aux États africains. Malgré ce consensus général des 54 États africains, les réticences de certains membres du P5 à voir l'Afrique occuper cette place ne fait aucun doute. La voix de l'Afrique, malheureusement, ne semble pas être entendue, car certains ne veulent tout simplement pas que l'Afrique soit un continent fort. Les grandes puissances veulent réduire l'Afrique à une entité purement instrumentale, au service de leur cause, et ne veulent visiblement pas que le continent puisse jouer un rôle important, voire un des rôles principaux dans le monde. Ils s'efforcent le plus souvent à amener les Africains à adhérer à leur narratif et, in fine, les Africains servent utilement à soutenir un camp contre un autre. Quand il s'agit de voter une résolution au sein du Conseil de sécurité, nous sommes activement sollicités. D'un côté comme de l'autre, l'Afrique est alors courtisée, voire même mise sous pression par certains de nos partenaires. Ces états d'esprit, nous pensons aujourd'hui, et agissements qui relèvent d'une autre époque, s'expriment dans un contexte historique où l'Afrique a pris conscience de sa responsabilité propre et parle de plus en plus d'une seule et même voix. Les fractures de l'époque coloniale entre une Afrique dite francophone, lusophone, anglophone, arabophone, etc., se sont amenuisées, tout comme les idéologies post-guerre froide qui ont dominé toute la deuxième partie du XXe siècle. Aujourd'hui, l'Afrique veut rester elle-même. À la vérité, l'Afrique est africanophone, si vous nous permettez ce néologisme. L'Afrique actuelle n'est plus celle des années 1945, encore moins des années 1960. Nous avons aujourd'hui en Afrique une multitude de nouveaux partenaires qui font partie intégrante de la nouvelle géopolitique internationale, bien loin des 2 blocs antagonistes qui ont structuré le monde après-guerre du XXe siècle. Le monde s'est décentré pour devenir multipolaire. Pour paraphraser ici Blaise Pascal, le monde est devenu un tout dont le centre est à la fois partout et nulle part. Et l'Afrique ne peut et ne veut plus être les wagons d'une seule et même locomotive. Beaucoup de pays africains ne se sentent plus aujourd'hui, à la vérité, trop liés au sens d'embrigadement par l'histoire coloniale et se montrent très enthousiastes à travailler avec de nouveaux partenaires. L'ensemble de ces changements, liés à l'histoire elle-même, dont l'essence est d'être perpétuel devenir, mais aussi à la volonté manifeste de changement de paradigme sur la scène de la coopération en Afrique devrait amener plutôt
certaines puissances à un changement de logiciel si elles veulent continuer de travailler avec les Africains. Il y a un défi de changement de mentalité et de comportement chez nos partenaires qui viennent chacun, sans exception, en Afrique avec des agendas tout dictés par leurs propres intérêts. L'Afrique, aujourd'hui, attend plus d'égalité, de respect, d'équité et de justice dans ses relations et partenariats avec le reste du monde, avec les grandes puissances, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, les Africains veulent être les vrais partenaires du reste du monde. Dans le concert des nations, il faut que l'Afrique soit écoutée pour que le dialogue ait un sens. Le déficit d'écoute pervertit le sens du dialogue qui transforme en une juxtaposition des monologues et des raisons partiales, parfois sous le couvert d'un pseudo-multilatéralisme dont le danger réside dans la distorsion de la relation. Or, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, ce n'est qu'en mettant ensemble nos intelligences que nous pouvons nous mettre d'accord sur les objectifs à réaliser ensemble. Bien que des problématiques essentielles de notre temps demeurent les mêmes, l'appréhension des mêmes problématiques diverge selon qu'on parle du Nord ou du Sud. Sur les grandes problématiques internationales, écouter les voix africaines ne peut pas être simplement un ajustement de discussion. L'Afrique n'a pas certes les mêmes mégaphones comme les grandes puissances du monde, mais la voix de l'Afrique compte et doit compter si l'on veut avoir l'Afrique comme partenaire sur les grands sujets internationaux. Au demeurant, l'Afrique attend un vrai partenariat et nos alliés doivent faire un effort pour accepter l'esprit d'un tel partenariat. Nos alliés ne peuvent pas à chaque fois attendre du soutien inconditionnel du continent. L'Afrique veut coopérer avec ses alliés sur la base de ses intérêts bien compris. Pour ce faire, nos partenaires doivent se défaire des imaginaires qui sont en grande partie forgés au 19e et 20e siècle et qui sont en dissonance manifeste avec le 21e siècle, siècle où les défis nationaux ou régionaux ont des implications globales et les défis mondiaux des déclinaisons et ramifications régionales, nationales, voire locales. Les répercussions et les perturbations économiques actuelles à l'échelle internationale, résultat direct du retour de la guerre, par exemple, en Europe, constituent une belle illustration. Nous sommes, à la vérité, tous exposés aux mêmes menaces et défis qui mettent en jeu notre survie, voire notre existence. Mais nous avons l'intime conviction que nous pouvons construire un monde prospère, plus stable et plus sûr pour nos populations à travers un multilatéralisme relevé et efficient. À cette fin, seul un choix s'offre à nous, celui de remettre sous l'égide des Nations Unies, ici, force et détermination dans notre capacité collective de dialogue, de résilience et de solidarité susceptible de nous permettre de rendre à nouveau notre planète habitable pour tous et de construire ensemble et durablement le monde que nous voulons en partage. Nous devrions, et nous le pensons très sincèrement, lire plus souvent nos textes fondateurs, apprendre à respecter,
à considérer les plus petits, les plus faibles et les plus fragiles. Oui, nous pensons qu'un autre monde est possible. Nous y sommes tous condamnés, car en vérité, et là, je me permets une fois de plus de paraphraser le célèbre savant Albert Einstein au sujet de la guerre. C'est Einstein qui nous dit « Je ne sais pas comment sera la Troisième Guerre mondiale, mais je sais qu'il y aura plus beaucoup de monde pour voir la quatrième. » Je vous remercie. I thank the Minister for Foreign Affairs, Regional Integration and Togolese Abroad.